Hello, hello! Hello, hello, salut à vous! Comment avoir ce dragon-là? Ce dragon-là qui est la dragon... Attention, ce dragon légendaire, là, hop! Celui-ci. Donc, c'est très simple, il suffit d'aller dans le nouveau monde. Le nouveau monde, ici, hop, donc CTRL-Q comme c'est écrit, ici, on va là, dans les premiers worlds. Aujourd'hui, c'est le jour des dragons, donc plus de chance. Il faut savoir aussi que le jour du minage, on en reçoit davantage. Donc j'ai été peut-être une quinzaine de minutes à pas trop en recevoir. Là, c'est tombé vite. Et donc, on va finir les 10 derniers ensemble. Et on va voir combien de temps ça met. Donc, on va essayer de les faire en 10 minutes. Je vois qu'il reste 10 minutes pour le challenge, pourquoi pas. Ça va éviter de faire un petit retour. Il n'y a plus de mode, il n'y a plus rien. Alors, hop, hop, hop. Et on va faire ça à fond. Donc on se munit de quelques bombes éventuellement. J'ai pris le boomeranger, ça m'évite de trop utiliser par exemple de bombes. Ça fait faire des économies. Je crois qu'on en a reçu encore un deuxième. Le mieux c'est d'être avec un arc, peut-être. Encore que... Là au moins, hop. Autrement, bah, avec un petit dragon ou une turtle tank, à deux, pourquoi pas, et on se suit. Faut savoir que quand on est en limite de zone entre copains, on a aussi tendance à beaucoup plus en récupérer. Peut-être que le serveur est un petit peu en panique. Et du coup, il va donner à la personne qui est un petit peu loin. On l'a fait avec l'Infinium, ce genre de système, et ça marchait plutôt bien. On peut garder sa distance, pourquoi pas, éventuellement. Ça marche pas toujours, après ça reste du random. En 10 minutes, combien on va en recevoir? Je mets un petit accéléré, c'est le mieux. Ah là, on en a reçu un. Faire du laser menti, je pense qu'aussi ça peut être très bien. Parce qu'on reste sur une durée du serveur de lecture. Donc je pense que, de toute façon, c'est plutôt bien. On va pas chercher plus profond. Ici, on se met au milieu. On peut descendre de 6 avec le boomeranger. On met sa bombe dessus. Hop! Économie, économie. L'un des dragons est plus facile. Il faut faire attention parce que celui-ci, on peut l'avoir avec les effigies dragon. Les trucs dorés là pour avoir les dragons. Vu que c'est un légendaire, il vaut mieux pas l'utiliser. Hein. Il faut mieux pas l'utiliser étant donné que c'est un dragon facile. Il vaut mieux aller farmer, comme j'ai dit sur d'autres vidéos, aller farmer les plus faciles d'abord. Et puis ensuite utiliser, ça sert à rien d'utiliser direct, hop on se log, ou alors on l'a reçu, hop on va appuyer. Puis au final on va voir celui de Noël ou un truc comme ça, je sais pas. Faut faire attention à ça, faut vraiment faire attention à ça parce qu'une effigie dragon, ça peut vous faire gagner du temps. Vachement de temps. Ou alors on n'aime pas farmer un certain world et puis comme ça ben, au moins on s'en sert. Là c'est pas d'une perte, là il n'y a pas de perte étant donné que on mine. Et il en faudra de toute façon, donc il n'y a pas de perte. C'est pas comme par exemple, bon, les araignées éventuellement, les araignées, on reçoit quelques sticky short. Mais essentiellement du glim. En 10 minutes, le jour des dragons, on en aura reçu. Hop, là, bim bam boum, on est à 95. Ah, voilà une belle grotte. Ça, c'est le coup de chance. Un heal régène. C'est pas très grave, ça fait un fragment. On se le fait dans le centre. On descend un petit peu. Là, on a reçu un. Quelqu'un s'est épée. On est enfermé. Ah! Merde. Alors les coquilles Saint-Jacques, là, les genres de palourdes vertes, elles sont mortelles. Hein. Je suis pas non plus tellement pressé, c'est un petit peu le petit moment relax sur le jeu.
Il y a des moments pour farmer, il y a des moments où on peut farmer les minerais tranquillement. On se met une petite vidéo à côté. Et on farme tranquillement. Bon là, une bombe pour un seul ou deux, c'est un peu limite. Là c'est bien parce que ça commence à le noircir et on peut finir. On continue. J'ai une petite déco. Faut arrêter ça. Nous en sommes à 96. Il reste 3 minutes. Ce serait bien si on pouvait le finir avant le compteur des 10 minutes, comme ça, hop. Petit lag. Si on pouvait le terminer avant les 10 minutes, ce serait pas mal. Avec le bonus, bien sûr, il faut savoir aussi que je suis en patron passe, hein. Je suis patron passe et c'est le jour des dragons. Donc ça peut y jouer. Trois fois plus de chance en patron passe. Plutôt que c'est ça trois fois. Ils disent trois fois plus de chance. Donc de toute façon, il y a deux fois plus de chance en jouant vraiment free to play. Sinon, autrement, on se met le vendredi, on peut très bien se mettre. Son patron passe gratuit de 3 jours qu'on a reçu ou une journée et à cheval sur les 2 jours, comme ça nous permet d'XP, ça peut être ça. Ou à cheval avec le jour des aventurines si on a besoin de farmer comme un fou pour l'autre dragon, les 2 autres dragons ou pour des choses qui achètent le marchand. C'est un choix. Hop. Ok, bim bam boum, je crois qu'on... Allez, vite! On a reçu un autre. Encore un autre fragment. Dans 29 secondes. Allez, au prochain fragment, on regarde combien on en a. Voilà, là je le sens dans le coin ici, là. Oh, le dernier, on va pas le recevoir. Ah, il est là. Je le vois, je le vois, je le vois, il est là. Il est là. Il est là le dernier, il est là. Ah, le dernier, enfin, hop, allez, on se fait ces deux roses là. Le mieux c'est quand même de regarder toujours un petit peu au fond. Arrête de miner, c'est bon, tu peux arrêter, tu peux arrêter. Nous en avons 103, ah d'accord, ok. Donc il faut savoir environ un par minute. Bon, on était relax, hein. Je n'ai pas non plus fait à fond, mais avec une turtle tank par exemple, ou un dragon si on le fait à fond. Peut-être le primordial, dragon primordial de feu. On s'amuse pas, pourquoi pas finir le dernier, on y va à fond et on mine. On va aller voir maintenant si on peut aller se le faire. C'est parti. Ok, nous sommes dans le club habituel à chaque fois pour faire les dragons. Et attention, dragon crucible. Sinon, autrement, au hub. Et il est là. On a... largement assez pour le verdium et la nitro. Je crois que j'en avais plus beaucoup, donc on est large. On a eu deux fois ce qu'il fallait en nitro pour faire le dragon. 300 écus comme d'habitude. Attention, c'est parti. Moment du craft, le jour des dragons, juste après la mise à jour. Nous avons pris donc du mastery 250. À chaque fois, comme un dragon. Là, donc j'ai reçu ça. Ouais, les petits jetons. Les petits jetons.
en or du mastery qui est ici, là. Car on est passé 620 mastery trophes, 720 total, car je suis encore à 100 pour le géode. On va se mettre le nouveau dragon, tant qu'à faire, hein. Il est là. Là. On le prend, on le met. Contrôle Q. Et on va aller dans le monde. Donc nous sommes dans le nouveau monde. Je vais aller peut-être un peu plus haut, ou un endroit où est-ce qu'on peut me voir. Hop là, hop là, hop, 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 hop. Un genre d'hippocampe. Cheval de mer. Dans l'idée, quoi. Il faut savoir que il crache de l'eau, lui, hein. C'est pas pareil que sur le PTS, il me semble. En tout cas, j'ai toujours pas l'explosion. Peut-être que c'est fait exprès. Est-ce qu'on récupère les minerais? On les récupère. Il faut savoir que quand on a encore, quand nous avons encore des fragments, on peut les passer au loot collector. Et ça nous donnera un tout petit peu de flux. Ok, donc on aura fini de farmer ce petit dragon ensemble. Et super petite aura. Alors je sais pas si c'est moi qui suis bugué. Ou alors si c'est comme ça, mais bon, il n'y a pas de bruit. Hein. Hop. Ah si, il y a du bruit, mais que quand je suis proche. Ou alors c'est un peu bugué, les sons sont peut-être un petit peu bugués. Ok, je vous remercie. Si vous avez des questions, faut pas hésiter à les poser. Ciao, 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 merci à vous. Ciao, ciao, ciao.